Starfield, pourquoi suscite-t-il tant de haine ? Starfield, le prochain RPG très attendu de Bethesda, a suscité une vague de critiques de la part des joueurs et de la communauté des fans bien avant sa sortie. Ce scepticisme est-il justifié ou s'agit-il simplement d'une négativité inutile envers le jeu ? Tout d'abord, bien que le jeu propose des éléments de RPG impressionnants et une grande personnalisation, certains craignent que Bethesda ne fasse des promesses trop ambitieuses et ne puisse pas les tenir pleinement à la sortie du jeu. Ensuite, Todd Howard, concepteur du jeu, a confirmé dans une interview que seulement 10% des planètes de Starfield aurait de la vie. Cette annonce a immédiatement suscité des critiques. De plus, l'annonce que Starfield serait optimisée pour les cartes graphiques AMD sur PC a provoqué la colère des joueurs utilisant des cartes graphiques Nvidia. Enfin, l'exclusivité de Starfield pour Xbox et PC a déçu les joueurs de PlayStation, car ils ne pourront pas profiter du jeu sur leur plateforme préférée. Malgré toutes ces controverses, certains fans restent optimistes quant au potentiel de Starfield, qui sera sans aucun doute l'un des titres les plus attendus de cette année.